Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo session. Alors, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas réalisé et vous avez beaucoup aimé ma tortue steampunk et je vous avais proposé de faire une session engrenage. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire oui. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire une session avec les engrenages et je vais vous donner quelques explications. Voilà, je vais pas juste vous laisser avec la musique. Donc pour ma petite session engrenage, je viens prendre un grand moule en silicone et je viens mettre de la résine UV dessus. Alors si j'utilise un moule en silicone, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus facile à laver que d'utiliser un récipient en verre ou en plastique et j'ai pas du tout de gobelet, voilà, je déteste acheter des trucs comme ça pour jeter, donc je préfère autant utiliser un moule en silicone pour faire mes mélanges que je vais pouvoir utiliser après plutôt qu'un gobelet en plastique ou en verre que je galérerai en fait à nettoyer tout simplement. Donc voilà, ensuite je viens faire mon mélange. Donc j'utilise de la résine UV qui vient du site Résine Pro et j'utilise de la poudre fibre argentée, donc j'en mets beaucoup parce que je veux un aspect très, très mat. J'ai pas envie d'avoir un aspect un peu translucide que peut nous apporter la résine. Je veux pas du tout cet aspect, du coup je charge vraiment de ouf en fait en poudre. Je fais mon mélange et ensuite je viens utiliser un petit bâtonnet en bois et je viens mettre la pâte, enfin l'espèce de pâte, mon mélange en fait dans mon moule engrenage. Si jamais vous posez la question, le moule engrenage provient du site Perle & Co. Tous les sites sont en barre d'infos sous toutes les vidéos, voilà, tous les sites où je me fournis en fait sont en barre d'infos tout le temps et celui-ci vient du site Perle & Co. Ensuite je viens mettre à la spatule et je viens vraiment appuyer, je viens chasser les bulles d'air et je viens racler pour éviter de gâcher justement du mélange et pour faire le plus d'engrenage possible. Ensuite j'utilise mon heat gun pour chasser les bulles d'air. Le heat gun, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, j'en suis vraiment ravie, c'est le premier prix, le tout premier que j'ai trouvé, mais il fait très bien son affaire. Du coup, j'en suis très contente. Donc voilà, je viens chauffer pour mettre toutes les bulles d'air et une fois fait, je passe à ma lampe UV. La lampe UV de Résine Pro, je la trouve vraiment pourrie. Du coup, j'ai acheté une vraie lampe UV pour les ongles qui provient aussi du site Amazon, mais premier prix, hein, j'ai dû la payer 10 euros, même pas. Et elle fonctionne vraiment super bien. Je l'ai laissé 180 secondes au-dessous et là je vais pouvoir démouler tous mes engrenages. Ensuite je viens tout séparer. Voilà, j'enlève le plus gros avec les doigts. Et ensuite avec mon scalpel, je viens mettre mon scalpel en fait entre chaque cran et tous les trous en fait des engrenages pour enlever le surplus de résine. Après évidemment vous pouvez vernir, je veux dire non, vous pouvez poncer vos engrenages pour avoir encore un aspect encore plus fini. Donc voilà, je mets mon scalpel dans le trou au centre et entre tous les pics en fait de l'engrenage pour enlever le surplus de résine que j'ai pas réussi à enlever avant le passage sous la lampe. Et ça c'est vraiment une étape très 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 longue. Voilà, par contre faites très attention en faisant ça parce que ça reste quand même assez fragile, assez fin, assez petit. Donc si jamais vous donnez un coup de scalpel un petit peu trop fort, vous risquez de casser votre engrenage. Et évidemment, je vais faire la même chose pour tous les engrenages. Voilà ce que ça donne du coup pour les premiers engrenages argentés. Donc j'en ai pas fait beaucoup puisqu'il m'en restait quand même pas mal de mon tuto sur la tortue. Et ensuite, on va passer à la seconde poudre. Donc pour ça, je reprends la même résine UV. Voilà, je fais à côté pour salir qu'un seul moule. Et ensuite, je viens prendre la poudre bronze. Et pareil que pour l'argenté, j'en mets quand même pas mal. Et je vais venir mélanger avec mon bâtonnet en bois pour obtenir quand même une pâte assez épaisse. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas du tout d'un aspect translucide. Donc c'est pour ça que j'ai blindé en fait de poudre. Et pareil, une fois que le mélange me convient, je viens mettre dans mon moule.
Donc voilà, je mets bien dans tous les creux, je racle aussi par-dessus pour récupérer un maximum de matière. Ensuite là, j'écarte le moule pour être sûr que la résine en fait aille bien partout. Et c'est vraiment un moule très élastique. Du coup, je peux faire ça sans l'abîmer. Et ensuite, pareil, je vais utiliser le heat gun pour enlever la majorité des bulles d'air. Et une fois que c'est bon, je viens passer le moule sous la lampe UV. Et une fois fait, pareil, je démoule. Ensuite, j'enlève le plus gros de la résine avec les doigts directement. Et ensuite, je passerai le scalpel. Et voilà ce que ça donne pour les engrenages en bronze. Je trouve qu'avec cette couleur, ça rend super bien. Et ensuite, évidemment, je vais faire la dernière couleur de poudre, donc couleur or. Donc je reprends encore de la résine UV et je viens prendre de ma poudre dorée. J'allais dire argentée, mais non, c'est doré. Et pareil, je viens faire mon mélange. Et une fois fait, je viens remplir le moule. Donc là, j'en ai fait beaucoup parce que j'avais très envie de faire tous les engrenages. Et pareil, je passe au heat gun pour enlever les bulles d'air. Et on passe sous la lampe UV. Et ensuite, vous voyez, pour nettoyer le moule, en fait, il y a juste à enlever la résine qui reste. Donc il en reste vraiment très peu. Et sinon, je viens démouler mes derniers engrenages dorés. Ils sont trop, trop, trop beaux, cette couleur. J'aime vraiment beaucoup. Et pareil, avec mon scalpel, je viens enlever tout l'excédent de résine qui est un petit peu bavé. Donc voilà, je passe dans tous les trous des engrenages et entre chaque pic. Et voilà ce que ça donne pour tous les engrenages dorés. Et voilà du coup toute la production de cette session engrenage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et j'anticipe les questions, si on peut remplacer la résine par de la fimo liquide. J'en ai aucune idée, voilà, je n'ai pas testé, parce que je trouve que la résine a un meilleur rendu que la fimo liquide. C'est pour cette raison que j'ai décidé de les faire en résine et pas du tout en fimo liquide. Mais après, c'est à tester, donc si jamais il y en a qui ont testé cette méthode avec de la fimo liquide, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience en barre de commentaires, je pense que ça servirait à beaucoup de personnes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette session vous aura plu. Si vous voulez une autre session en particulier, n'hésitez pas également à me demander en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !